Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 3. Et nous en sommes à l'épisode 4. Comme d'habitude, mettez un pouce vers le haut, plongez-vous dans le noir, la meilleure qualité possible, et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le top tendance. Aujourd'hui je suis blessé. Pourquoi je suis blessé alors que je n'étais pas blessé la dernière fois qu'on a save? Tout simplement parce que j'ai chargé la précédente sauvegarde. Ça me stressait de ne pas avoir le dernier écran. Donc, bah voilà, vous me connaissez. J'aime quand c'est parfait et je suis allé le chercher. Et donc, nous avons le dernier rubis. Je suis désolé. Voilà, j'ai fauté mon père. Désolé, mais j'ai chargé la dernière save. Mais au moins, on va savoir ce qu'il y a dans cette horloge. Puisque je ne savais pas qu'une fois le rideau fermé, on ne pouvait plus retourner dans la ville. En tout cas, pour le moment, il était hors de question que je m'en aille sans avoir ce dernier écrin. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Et je peux vous dire que c'est sans regret. Sans putain de regret, on a une sacoche avec deux places supplémentaires. Ah non, je suis content. Ah non, je suis très, très, très content. Par contre, là où je suis moins content, c'est que bah, déjà, je suis blessé. Donc ça, c'est fort embêtant. On va prendre une herbe de côté si ça ne vous gêne pas. Et là où je suis aussi pas très, très content, bah, c'est que le coffre-fort. J'ai jamais eu la combinaison. Je suis sûr que c'était un truc avec la réserve. Fallait jouer avec le nombre de colis qu'il avait, un truc comme ça. Oh, Sugoi. Sugoi, j'avais oublié qu'il y avait une caisse ici. Incroyable. Alors qu'on l'avait pris en plus juste avant que je save. Mais oui, c'était des balles de pompe. Sugoi. On aura toujours besoin du crochet. Donc on va le garder. Captain Crochet, excellent. On adore l'humour par ici. C'est parti, ma petite Jill. Je suis blessé, mais... ça fait mal, mais je reste debout, c'est moi qui vous le dis. Bref, merci à tous pour l'accueil que vous avez réservé aux trois précédents épisodes. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes sublime, restez comme vous êtes. Même si je ne sais pas l'accueil que vous avez réservé. Ouais, presque. Il nous faut 30 à 40 minutes pour finir la maintenance. Nikolai, du nouveau? Ces saloperies sont partout dans la ville. Aucune chance de sortir si on les affronte. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle nous aide à faire redémarrer le métro. C'est pas le moment de s'encombrer d'un boulet. On peut pas se fier à elle. Elle est incapable de tirer quand il le faut. Eh, vas-y, Molo. Je t'aurais prévenu. Je suis désolé. Tout le monde est un peu à cran. C'est moi qui cherche. Je vais faire diversion. Hé, attends! Reviens, Jill! Ah non, non, non. Non, c'est pas le moment de faire le héros. Allez, viens, espèce d'enfoiré! Non, ne viens pas! Ramène-toi! Ah! Oh! J'ai fait une esquive sans faire exprès! Oh, non! C'est pas le moment de faire le héros! Ah. Hop, attends. On va pas faire le héros, mais on embarque ça quand même si ça gêne personne. J'ai peur. Hop, attendez, petite pause, y'a quoi dedans? Ah non, je déteste quand on me poursuit. Oh, c'est pas... non, c'est cool, mais c'est pas cool. Très bien, combine-moi ça là-dedans. On va peut-être pas lire, on a peut-être pas le temps de lire. Ouais, j'ai plus de grenades, j'ai plus rien, c'est terrible. Hop, ça on prend. Ok, bidon explosif. Quoi? Ah. Allez, dépêche. Pardon? Allez, faut y aller, s'il te plaît, Gilles. Oh non, pas les égouts, pas déjà! Je déteste les égouts, vous le savez, c'est ma hantise! Si vite, si jeune! Oh non, j'étais beaucoup trop belle! Oh, quelle souffrance! Ouais, je suis pas sûr que ça suffira. Mais on va essayer. Très bien. Bon bah, salut les potes. Hein. Hop, ils ont tous pris le métro. Carlos, tu me reçois? Carlos! Je trouve une autre ici. Ouais. Remonter à la surface, bah écoutez, très honnêtement, c'est mon objectif primaire. J'ai l'impression qu'on est de retour dans Resident Evil 2 et ça, c'est assez terrible.
Y avait une porte derrière, on pouvait pas l'ouvrir. Hein. D'ailleurs, si je ne m'abuse, regardez bien. Non. Une clé spéciale. Ah. Vous sentez qu'on va pas passer un agréable moment ? Oh là là ! On a une porte ici, je sais pas du tout. Ça s'ouvre ? Oh non, ça s'ouvre pas ça. Oh, faut mettre. Non. Ok. Renforcement de la sécurité des égouts. Face à la multiplication des cas d'intrusion de personnes non autorisées dans les zones de gestion de l'installation, nous avons décidé de remplacer nos verrous mécaniques vieillissants par des verrous électroniques. L'ouverture de ces nouveaux verrous électroniques requiert une batterie spéciale distribuée à tous les employés. Assurez-vous de garder en permanence cette batterie sur vous lors de vos déplacements au sein de l'installation. Alors, je suis désolé parce que dans l'épisode 2 et 3, il y avait 3-4 images qu'on, entre guillemets, pixelisées. Bon, ça nuit pas non plus les vidéos ni la manière de jouer. C'est au moment du record et de l'encodage. Je rappelle que je suis au Japon. J'utilise donc un ordinateur portable pour vos records de cette qualité, mais un ordinateur portable un peu surpuissant, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il y a quelques images qui ont sauté. Normalement, j'ai pas envie de parler trop vite, mais là, ça devrait être bon. J'ai réglé 2-3 trucs dans les graphismes, dans la manière de record, et on devrait plus avoir ce souci. Dis bien normalement, croisez les doigts pour moi, parce que je vous cache pas que même si c'est 2-3 images, bah ça m'embête un peu, parce que ça nuit le plaisir. Wow. T'es quel genre d'espèce, toi? Ok. Vas-y, viens, bébé ou. Ouvre ta gueule comme ça, hein. Frérot, par contre, tu tombes quoi? Yeah! Vache, c'était quoi ça? Ah, je sais pas, c'est un crapaud qui a muté ça, non? Ça, je reconnais, hein? Ouais, mais en même temps, les gars, les crapauds au state, enfin, y'a rien qui va déjà au state. Très bien. Bon, j'ai. Ah ouais, y'a deux chemins. Oh non! Mais c'est les égouts de Resident Evil 2, c'est... J'ai cru voir un truc sortir du mur. Oui, on va pas faire demi-tour, hein. On a rien vu. J'ai l'impression d'être dans les égouts de Resident Evil 2, c'est horrible. Faut savoir que Resident Evil 2 se passe en parallèle de Resident Evil 3, donc... Ok. Donc, pendant que nous sommes ici, à l'heure actuelle, Leon S. Kennedy et Claire Redfield sont dans le commissariat, et nous avons... Oh, qu'est-ce que c'est? Très bien, explosif, c'est une poudre, je pense, non? Ok, une salle de, entre guillemets, repos. Relevé des assistants de recherche. 4 mars, température de l'eau 18 degrés. Les gamins ont été sortis de la cuve pour la première fois. Leurs mouvements sont lents. Leur potentiel de combat est faible. 18 avril. Injection de plusieurs hormones et médicaments. L'un des sujets a montré des résultats positifs. Avec une élévation sensible du potentiel de combat. Le spécimen est désormais capable de se déplacer rapidement et d'avaler des proies en entier. 30 juin, Umbrella a officiellement mis un terme aux recherches sur les gamma. Nous sommes parvenus à faire sortir du laboratoire quelques spécimens au potentiel particulièrement élevé avant qu'ils ne soient détruits. Le docteur Logan Carlisle est plus que jamais déterminé à parfaire la série gamma. 2 semaines se sont écoulées depuis notre arrivée dans les égouts. La hausse des températures a entraîné une baisse de la qualité de l'eau. Mais malgré tout, les spécimens se portent bien. Les gamins ont rapidement mémorisé la configuration des égouts et en 2 jours, ils ont exploré toutes les galeries souterraines de Raccoon City. Ils sont habitués à notre présence et ne nous attaquent pas. Mais nous nous sommes munis d'armes puissantes au cas où ils deviendraient incontrôlables. 1er septembre, nous avons eu de la chance d'obtenir cet endroit en soudoyant le chef des égouts. Mais avec la croissance continue des gamins, nous commençons à être à l'étroit. Nous devrions envisager d'autres options. 9 septembre, un employé du traitement des eaux usées s'est introduit dans le labo. Mais les gamins l'ont immédiatement éliminé. Cela prouve leur viabilité sur le terrain. Je vais contacter la branche européenne demain. Peut-être que ça les intéressera. Très bien, donc les gamins, je suppose que c'est les lézards, je dirais. Facture de l'armurerie Kendo. Merci d'avoir acheté le lance-grenade. Bon. Dans les égouts, il y a un lance-grenade. Nous avons effectué quelques modifications sur cette arme pour qu'elle soit compatible avec de nombreux types de munitions pour des performances optimales.
assurez-vous de choisir les cartouches adaptées à chaque situation. Comme précisé au moment de l'achat, ceci est un modèle reconditionné et la chambre doit être rechargée manuellement entre chaque tir, ce qui nécessite un petit temps supplémentaire. Comme convenu, le prix reflète ce léger désagrément. Il y a une note manuscrite au verso. Grenade explosif, explosif AA. Grenade incendiaire explosif AB. Et grenade d'acide explosif BB. Mine, impossible à fabriquer nous-mêmes. Les mines ne sont pas efficaces contre les gammas, inutile d'en acheter. Très bien, ok. Alors qu'est-ce qui est le plus efficace contre les gammas finalement? Oh mais attendez, non mais... La régalade! La régalade qui nous offre! Mais c'est incroyable, alors attendez. Oh c'est trop là, non? Non c'est peut-être... Ça fait beaucoup là alors. Ok. Non. On va le récupérer. Ouais. Attendez, on va mettre ça là. Voilà. J'ai peut-être un peu trop de soins, donc... hop, déposer, on a 3 sprays de côté. On va déposer ça. Et on est pas mal, j'ai envie de vous dire. Le crochetage, je vais le garder parce que... Ça a l'air d'être encore potentiellement utile. Ils nous disent pas le contraire. Une petite save, un Mars, et ça repart, évidemment. Let's go. On va reload tout ça. Le pistolet, on va reload aussi. C'est des grenades incendiaires qu'il y a dedans. Très bien. Très bien. Ici, on peut rien lire. Et ici, il n'y a rien à faire non plus. On repart. Alors, c'était par ici. Bon, il y avait un gamma. Je sais pas trop quoi utiliser. Est-ce qu'on utilise le pont? Chut. C'est quoi ce bruit? Ok. Est-ce qu'on utilise le pompe? Est-ce qu'on utilise le pistolet? Le doute m'habite. Ok. Oh, il va faire un truc, lui. Ok. Très bien. Bon, on peut les faire au pistolet, ça c'est pour la bonne nouvelle. J'ai même l'impression que c'est plus efficace au pistolet qu'aux pompes. Très bien. Je vais regarder ce qu'il y avait derrière tout de même. Ah, Sugoi. Sugoi, j'avais pas vu du tout cette échelle. Comme quoi, ça vaut toujours le coup. Et ça va où cette connerie? Ah, encore une batterie. Je suis encore blessé, hein. Je suis vraiment pas bien. Je pense que je prends un coup, je vais me soigner. On a quelque chose. Tiens. Ok, je suppose qu'il faut ouvrir derrière. À la manière de Resident Evil 2, ça doit déverrouiller, je pense, un raccourci. On redescend et on va pouvoir aller dans l'autre tunnel. Quel plaisir, j'espère vraiment que vous êtes content de me revoir sur du Resident Evil. Sachant que dans 2 petits mois, il y a The Last of Us 2. J'ai tellement hâte, les amis. Enfin, la chaîne se réveille. Les aventures horrifiques avec. Quel plaisir. Et je vous cache pas que revoir ma petite Jill Valentine, ça me fait aussi plaisir. Elle m'a manqué, mine de rien. Personnage que j'apprécie. Même si ma petite préférée, ça restera toujours Claire Redfield. On a quelque chose à droite, on a quelque chose à gauche. On va aller à droite. Moi, dès qu'il y a de la merde qui tombe, ça m'inspire. Ok. Oh, Sugoi. Sugoi, mais pas Sugoi. Poudre noire. Eh ben, écoutez, je prends volontiers. Ok. Cet homme a l'air totalement mort. Très bien, note d'un employé des égouts. Ça s'est encore produit. Cette fois, ils ont eu cané. J'ai tout vu. L'une de ces choses-là valait tout cru. J'ai essayé de les prévenir quand Bill a disparu il y a 2 semaines. Les flics ont sorti qu'ils avaient probablement quitté la ville. Et j'ai dit que c'était impossible. Pas avec ce bébé qui arrive. Mais est-ce qu'ils m'ont écouté? Non. C'est n'importe quoi. Putain de crapaud géant de merde. À chaque fois que je crois en avoir semé un, il y en a un autre qui débarque des tunnels. Et c'est pas comme si je pouvais compter sur ces connards de flics. Je peux pas non plus faire confiance au gratte-papier du siège. La prochaine fois qu'une de ces saloperies se pointe, je lui défonce sa sale gueule. Il est mort. Il est mort dans notre souffrance. Bon. Hop, voilà, un peu de dégueulis. Voilà, c'était sûr. On va tirer là-dedans.
ça utilise pas mal de... ça utilise pas mal de munitions finalement. C'est chiant. Voilà. Ouais. Alors attendez, parce que c'était pas prévu. Ça utilise quand même beaucoup de munitions, ces conneries là, non? Pas cool. Par contre, il y a déjà... Resident Evil 2, c'était un peu plus lent. Hein. Les vers géants, ils apparaissaient au deuxième chapitre. Après le commissariat. Et le commissariat, la phase du commissariat était très longue. Même s'il y avait... il y avait quand même Mister X qui nous suivait un petit peu partout. Très bien. On analyse tout. Hein. Oh. On l'a enfin. Ah non, c'est chiant, les gars. Non. Faut pas. Bon, bah, je vous préviens. Ça va swinguer. Alors, ça combiné avec ça. Oh là là, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tout ça? C'est terrible, il y en a beaucoup trop. Allez, ouvre-moi ça quand même. Ah ouais. Ok, allez, go. Attendez. Non. Hop, voilà, on l'utilise. Je sais pas c'est quoi la priorité. Une lettre d'amour? Mes bébés, cela fait déjà 3 mois que nous nous sommes réfugiés ici, vous et moi. Je me souviens avec émotion du moment où vous avez poussé vos premiers cris. J'étais tellement fier. Un physique si adorable, une force si incroyable. Et que dire de votre appétit insatiable? Vous n'êtes pas moins que le summum de la gamme Hunter. Et malgré cela, ils m'ont demandé de vous détruire. Ils ont dit que vous étiez inapte en tant qu'arme à cause de quelques faiblesses mineures. Qu'est-ce que ça peut faire que vous soyez sensible à la chaleur? Vos mandibules sont exposées quand vous vous nourrissez, et alors? Tout le monde a ses défauts. Et c'est justement parce que vous n'êtes pas parfait que je vous aime tant. Mais bientôt, nous leur montrerons. Nous allons continuer ici à parcourir ensemble le chemin de l'évolution. Et nous prouverons à Umbrella que vous, mes chers Hunter Gamma, êtes des êtres supérieurs. Bon! Donc ça confirme que c'est bien, évidemment, les Gamma. On a de la poudre ici, hein. Oh, beaucoup trop de trucs, c'est terrible. Mais par contre, on a la batterie, ça c'est plutôt cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... on va descendre. Attendez, il peut pas venir là en fait, Nemesis, quand même. Ils vont pas me faire ça à moi. Il y aura forcément Hunter, hein, je vous le dis. On se casse, mais il va popper... Ok, lui il est un peu plus stock que les autres. Vas-y, ouvre ta gueule. Ouvre encore. Encore une dernière fois. Ah, c'est bien ce que je pensais. Allez, encore une, c'est quoi qui arrive? Voilà. Bon. Je disais. On va save. À la salle de l'autre côté. On revient récupérer les poudres. Ici, pas de gaspillage. La salle était juste ici, le save. On utilisera la batterie. Et puis on est bon, j'ai envie de vous dire, on a fait une petite partie des égouts tout de même. Par contre, dans ce Resident Evil, j'ai l'impression que, autant dans Resident Evil 2, on faisait le commissariat, on pouvait revenir, autant dans celui-ci, on ne reviendra jamais. Hein. C'est une ligne droite. Le but, c'est vraiment quitter la ville, si je ne m'abuse. Donc, bougez pas. Bon, on va déposer ça là, c'est pas bien grave. Après, est-ce que le lance-grenade, c'est vraiment utile de l'apporter? If you see what I mean. Ça veut dire si vous voyez ce que je veux dire. Je suis bilingue, c'est mon petit côté un peu Valentine. Ok, on est parti. On va récupérer ce que j'ai laissé derrière. En espérant qu'il n'y ait pas encore un verre qui repop, même si ça m'étonnerait en vrai. Quoi? Il y a des bruits, frérot. C'est suspect, hein? Et dans suspect. Hein? Y'a paix. Allez, on y va. Normalement, il n'y a plus rien à droite. On voit que dalle. Je vous rassure, si vous voyez rien, c'est pas la vidéo. La vidéo est en qualité évidemment supérieure. C'est bien. Les égouts. Alors. Péré, moi c'est hors de question. Hein. Quitte à faire des allers-retours en trop. Il n'y a jamais de façon d'aller-retour en trop. Je peux vous le dire. Allez, c'est un explosif à immédiatement dans la popoche. Eh bien, écoutez, ma foi, ceci est une bonne nouvelle. C'est très bien. Je connais pas encore le point faible des gamma, mis à part une bonne cartouche de pompe dans la gueule.
trentaine de balles de pistolet. Je me demande, je pense que vu qu'on est dans les égouts, je dirais c'est de l'acide. Parce que le feu, c'est pour les plantes, logique. Il y a acide, explosif, feu. Feu, plante. Ah, quoique acide, égout, je sais pas, limite ça va leur redonner de la vie, ce bordel. Je dirais, ah, peut-être explosif, tout simplement. Hein. Peut-être explosif. Hein. On verra, au diable l'avarice, j'ai envie de vous dire. De toute façon, on va regarder. Attendez, non, c'était bien explosif et acide. Attendez. J'ai l'impression de... Ok, note de Shad, non. Fabriquer des munitions. C'est incroyable, je... Plante verte, ça fonctionne. Non, attendez, je suis... c'est mon petit côté un peu débilos. Tutoriel. Ah, peut-être, non. Lettre, non. Ah, le problème, c'est que c'est pas en ordre et ça, c'est terrible. Là, c'est les fusils à pompe. Cartouche de pompe. Ok, là, on a le tuto fusil à pompe. Hein, on adore. Très bien. Là, on a le tuto plante. On adore. Ah, j'adore passer ma vie dans les menus. Ah, d'ailleurs, j'ai trouvé ça. Vous savez, les petites figurines qu'on pouvait casser dans Resident Evil 2. Et ben maintenant, on peut le faire dans le 3. C'est là où il y avait la dernière pierre créée à l'image de Charlie McBergen, fondateur de Toy Uncle. La figurine Charlie est devenue la mascotte de notre entreprise. Et donc, dès qu'on trouve des petites figurines Charlie, il faut les exploser. C'est bon, j'ai trouvé. Ouais, c'est bien explosif, ok. A et B, ça fait quoi? Ça fait incendiaire. C'est pas mal, ça, non? C'est pas mal, incendiaire. Allez, on va mettre de côté, on va rien créer encore. Parce que je pense pas avoir besoin de quoi que ce soit. Poudre noire et poudre noire, ça fait... Non, mais on en a pas besoin. Ne gaspillons pas notre énergie comme ça. On a la batterie qu'on va pouvoir utiliser, ça c'est méga cool. On va pouvoir save. Hop. On a très très bien avancé, encore une fois, je suis fier de nous. Bon, on va utiliser la batterie. Et on va s'arrêter au prochain point de save. J'espère vraiment que vous êtes... Vous savez, je vais être très franc avec vous. J'ai le sourire rien que de... Bah, rien que de record, voilà. Rien que de faire ces aventures épiques, j'ai le sourire. Resident Evil, c'est mon petit bébé. Même The Last of Us, ça, au passage. Hein. Ouais, c'est bien. Et là, j'ai dit... Ok, j'ai cru entendre sur ma gauche. Monsieur résistant. Et monsieur m'a tué. Ah, ah, oh. Ah oui. Ah bah c'est du one shot. C'est du one shot. Oui, je disais. Ah bah vous avez rien vu. Je disais, je suis super content. Je suis super content de retrouver ce genre de jeu, bien évidemment. Il était balèze, lui. Hein. Eh, balèze, hein. Balèze, balèze. Bon, ça va, il me reste pas mal de cartouches en vrai. On va lui arracher la gueule. Tu résistes un peu trop, non? Il résiste un peu trop, celui-là. Voilà, vas-y, ouvre. Ouvre ta gueule encore. C'est bon. J'avais l'impression qu'il résistait un peu plus que les autres. En tout cas, solide, hein. Solide. Il m'a littéralement plié en deux, si je puis me permettre. Oh, ce boy. Bah, eh, les gars. Elle a disparu. Oh non, ça arrive qu'à moi. J'allais dire, attendez, ça arrive qu'à moi, cette connerie. Raccourci. Ouais, en vrai, je préfère limite utiliser une grenade qu'un lance-grenade. Peut-être que le lance-grenade, on va le mettre de côté, parce qu'il prend quand même deux places. C'est pas n'importe quoi. Et là, on va pouvoir se barrer. Je suis content, on a la batterie. Allez, donc je disais, prochaine sauvegarde, on va s'arrêter là. Mais voilà, laissez-moi vous faire part du fait que, bah, vous savez que j'ai un petit peu arrêté hein, YouTube. Vous savez que c'est plus mon passe-temps principal, maintenant c'est plus les lives. Et quel plaisir quand il y a ce genre de jeu-là, quoi. Ça me redonne vraiment l'envie d'avoir envie, l'envie d'aimer, quoi, hein, pour toi de Johnny. Hein. Oh non, putain, c'est pas vrai. Voilà. La racaille. Pardon. Non, j'ai eu peur. J'ai eu un sacré moment de doute. La racaille, ça dégage. J'ai
J'ai utilisé une greuze, c'est hyper fort une greuze, j'ai l'impression, à l'enjeu. Ok, on peut tourner ici, très bien. On a la batterie de départ ici. Ça, je crois que voilà, c'est tout simplement le raccourci. Donc c'est fait, c'est déverrouillé. Ici, on peut mettre une batterie. Eh bien, non. Ah ! Ah d'accord. Très bien. J'ai compris, vous êtes malin. Vous êtes malin. Bon. C'est en gros presque à usage unique. Il faut la retirer, je crois, non ? Allez, voilà. Allez, malin. Allez, malin. Très très bien. Ils sont pas plus malins que moi, Johnson. Ok. Allez, on va poser ça ici. Très bien. Ouais, là, si le Némésis, il arrive à passer et qu'il tabasse les portes, je comprends plus, frère. Oh lolo. Arrêtez! Arrêtez! Je vais rougir! Allez, explosif A, très bien. On a quoi par ici? On a une petite note. C'est de la poudre noire, on adore la poudre, hein, évidemment. Pour créer des munitions, attention, hein. Alors, si on a trouvé une sacoche ici, je peux vous dire que il va se passer quelque chose en sortant. J'ai tellement peur, j'ai l'impression d'entendre Némésis. Ok, ça me semble trop facile là, non? C'est bizarre, hein, cette sacoche. Après, j'avoue que l'autre était chaude à avoir, en vrai. Sachant qu'on reviendrait plus en ville. Très bien. Raccourci fait. J'espère qu'on va pouvoir save dans pas trop longtemps. Et on va pouvoir alimenter ceci. Allez, let's go. Oh là là, je suis content. Cet épisode se passe plutôt bien. Là, si elle Némésis, pareil, je comprendrais pas. Carlos, tu m'entends maintenant? Jill, tu m'as foutu la trouille. Tout va bien? Ouais, ça va. Je les mets. Parfait. Le métro est prêt à démarrer. On part dès que t'es revenu. Ok. Ça va swinguer. Et là, il m'attend, à l'extérieur. Ah, bon. Putain, mais c'est vrai. Attendez, je buvais. Bonjour messieurs. Ah oui. Ah, il s'arrête pas d'avancer. Je sais pas si ça va l'arrêter. Je peux utiliser des armes. Ok. On va passer par ici. Je pense qu'il n'y a rien à ramasser. Très bien. Ok, bon, il est mort, hein. Quoi? Oui, c'est ça, et la mère Michel, hein. Il faut que je sorte. Elle fait quoi, la mère Michel? Elle a perdu son chat. Oh putain. Il est en bas. Allez. Oh, j'ose pas me retourner. Quoi? Il n'y a plus de chemin, là. Quel est le projet là en fait ce soir? Ok, si, il y a une échelle, putain. Ok, n'empêche, au moment où je dis, et là MDR il m'attend. Mais ça va, oh, t'es trop chaud toi. Hop, ça brûle les fesses. Attends, il monte les escaliers, je rigolerais. Non, c'est vrai qu'il peut se lever. Wow! Ok, respire frérot. Tout va bien se passer. C'est la merde. Petit saut. Ça, c'est les cascades qu'on aime. On s'arrête pas. Là, faut juste pas s'arrêter. Il a un lance-flamme, il est énervé. Ok. Il n'y avait pas une solution sur PS1 pour... je sais pas, mais dans mes souvenirs, il semblait qu'il y avait un bail un peu chelou pour tuer Némésis dès le début et après, il ne vient plus jamais. Il n'y avait pas un truc comme ça. Il y avait un cartouche incroyable, en vrai. C'est loin.
Bah, eh désolé du suspense, mais je crois bien qu'on va s'arrêter là, mon petit pote. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. A bientôt tout le monde, portez-vous bien. Gros bisous, ciao ciao.